It's everywhere, all loving here to stay. Salut les cinéphiles de la toile, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pépites de Cinoche spécial comédie musicale. Aujourd'hui, on continue notre mois enchanté avec un très grand classique du genre, j'ai nommé Un Américain à Paris. It's wonderful, it's marvelous. She should care for me. Soft nights are nice. It's what I love to see. Un Américain à Paris sort en 1951, réalisé par Vincente Minnelli. Qui est Vincente Minnelli? Vincente Minnelli est tout simplement un des plus grands réalisateurs de l'âge d'or d'Hollywood. Enfant de la balle, il entre dans le monde du spectacle à 3 ans à peine. D'abord dessinateur de costumes et décorateur, il fait ses premiers pas comme assistant metteur en scène. Au début des années 40, il signe un contrat avec la MGM et fait ses débuts comme réalisateur et dirigera plusieurs comédies musicales dont Cabin in the Sky, Le Chant du Missouri, Tous en scène, Brigadoon. Comme pour beaucoup de cinéastes hollywoodiens à cette époque, il réalise près de 2 films par an et touche à tous les genres. Le drame, avec des films magnifiques comme Les Ensorcelés en 1952 avec Kirk Douglas et Lana Turner, mais aussi les comédies, comme par exemple Le Père de la Mariée avec Spencer Tracy et Elizabeth Taylor. En 1952, il sort Un Américain à Paris avec Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant et George Guettari. Une comédie romantique et musicale uniquement tournée en studio et dont l'action se déroule à Paris, comme le titre l'indique. Voici donc les seuls plans du film tournés en extérieur. Des images de cartes postales qui permettent au réalisateur de situer géographiquement son intrigue et envoûter le public américain en le couvrant d'images volées des monuments de Paris. Minnelli présente son histoire et son personnage principal avec des touches d'humour. Jerry Mulligan, interprété par Gene Kelly, est un ancien GI devenu peintre qui vit modestement dans la capitale française. Le cinéaste introduit un élément de surprise dans la voix off même. Il utilise deux autres voix off, celle de Adam et celle de Henry. Trois points de vue différents qui dynamisent le récit. Implicitement, le cinéaste annonce ses intentions. Développer un triangle amoureux, une histoire d'amour contrariée. Et il le fait par le biais de l'utilisation de ses trois voix off. En effet, Jerry Mulligan rencontre Lisa dont il tombe éperdument amoureux, sans savoir que la belle est la future fiancée de Harry. Une opposition entre un personnage qui vit modestement, Jerry, et un autre qui représente la réussite sociale, Harry. Les deux épris de la même jeune femme qui est vendeuse dans une parfumerie de luxe. Soit la représentation entre les deux mondes, justement. Comme si les choses n'étaient pas suffisamment compliquées, Milo Roberts, une riche héritière, s'éprend de Jerry et lui promet d'être sa mécène. Jerry, pas vraiment à l'aise avec cela, accepte malgré tout. Il doit jouer sur les deux tableaux, entre Milo qui est à fond sur lui et Lisa qui elle aussi est amoureuse de lui. Minnelli plonge son récit dans un double triangle amoureux et complexifie son intrigue, un schéma classique qui emprunte aux comédies du registre théâtral. Le trio, ou triangle, apparaît très clairement à l'écran. On peut noter le passage musical où Gene Kelly et George Guettari chantent les vertus de l'amour sans savoir qu'ils parlent de la même femme. Minnelli pose physiquement ses trois protagonistes à la table du café Huguette. Guettari à gauche, Kelly à droite, Oscar Levant entre les deux, comme pour rappeler visuellement ce fameux triangle amoureux. Évidemment, la grande force de Un Américain à Paris est sa mise en scène, virtuose et éclatante, avec ses décors somptueux et sa reconstitution d'un Paris d'après-guerre. La photographie étincelante, tout en technicolor, sera portée au nu lors du final. Un ballet coloré qui dure près de 18 minutes. Une imagerie onirique qui apparaît comme un simple rêve de son personnage principal. Comment ne pas parler aussi des chansons et des chorégraphies absolument magnifiques. Des performances musicales, lors desquelles Gene Kelly s'exprime à la perfection avec des numéros de claquettes. Des longs plans séquences qui prennent le temps de mettre en image la technique et l'immense talent du comédien. Des chorégraphies créées et dirigées par Kelly lui-même. En un clin d'œil, le film bascule dans la féerie et le registre onirique, avec des interludes qui interrompent l'action le temps d'un numéro. On peut aussi s'extasier sur la partition de George Gershwin, tout simplement à tomber. Une partition très complexe, car pas évident de diriger des enfants en chanson. D'autant qu'au-delà d'une chorégraphie très précise et magnifiquement exécutée, Gene Kelly chante également un peu en français. Un exercice difficile qui donne naissance à une scène mémorable. Beaucoup moins connu que Chantons sous la pluie de Stanley Donen,
Un Américain à Paris est un véritable chef-d'œuvre de la comédie musicale américaine, une pièce maîtresse dans laquelle Gene Kelly livre une performance extraordinaire. Romantique et glamour, drôle et léger, le film remportera 6 Oscars, dont celui du meilleur film. Il sera décliné des années plus tard en musical à Broadway. Une fantastique pépite de cinoche que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez. Donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche en haut à gauche, comme ça vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. Et si vous souhaitez me soutenir davantage et laisser un petit quelque chose, vous pouvez visiter ma page Tipeee. Vous trouverez le lien en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépite de Cinoche, autre film, autre style. Allez, bisette! But oh my dear, our love is here to stay. Together.